Paragraphe 1. Salut, je me présente, je m'appelle Georges. J'ai 15 ans, presque 16 ans, et j'habite à Haverhill. Je suis ici parce que je m'inquiète à propos de mon meilleur ami. Laissez-moi vous expliquer. Il s'appelle Callum et il a 16 ans. Il est plus grand que moi. En général, je m'entends très bien avec lui parce qu'il me supporte et nous avons tous les deux des choses en commun, donc nous nous disputons jamais. Cependant, il m'énerve de temps en temps car il répète toujours la même chose et il peut être coléreux. Néanmoins, nous sommes amis depuis 12 ans, donc ça fait longtemps et on est très proches. Paragraphe 2. Avant, au collège, nous étions toujours ensemble car nous nous entendions super bien. Il faisait toujours tous ses devoirs et il était décontracté, mais travailleur. Il n'a jamais fumé parce que son père fumait et il détestait ça. Mais maintenant, il boit 5 fois par semaine parce qu'il est déprimé. Je pense qu'avant, il était très marrant et que c'était une personne géniale, mais maintenant, il est toujours tout seul au collège. Cependant, quand il est ivre, il est agressif et il est difficile. Et je trouve ça embarrassant, parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Paragraphe 3. Comme je viens de le dire, Callum a beaucoup changé récemment, et je trouve cela triste parce que j'ai perdu mon meilleur ami. Maintenant, il boit trop souvent parce qu'il est toujours avec des gens différents. À mon avis, l'alcool est mauvais pour vous parce que ça affecte le foie, et ça peut avoir une influence négative sur la personnalité des gens. En outre, je suis aussi concerné car il passe beaucoup de temps seul dans sa chambre. Il dit qu'il aime sa propre compagnie, mais avant il était très sociable et maintenant il ne veut plus me voir. Je pense qu'il a quelque chose de sérieux, mais je ne veux pas lui demander. Il m'a encore plus inquiété car maintenant soit il boit, soit il est tout seul. Paragraphe 4. À l'avenir, je crois que je ne serai plus ami avec lui, car il a trop changé. À mon avis, je le perdrai comme ami et il perdra beaucoup d'amis du collège. Sa personnalité a aussi beaucoup changé. Il est trop silencieux et sensible, mais il peut aussi très facilement être agressif, surtout quand il est ivre, ce qui est très agaçant. Selon moi, je pense qu'il est déprimé. Et c'est déprimant pour moi de le voir comme ça, parce qu'il ne veut pas m'en parler. Pourtant, on était les meilleurs amis du monde. Paragraphe 5. À mon avis, il pourrait profiter d'une longue conversation avec un professionnel, parce qu'il a besoin de conseils, et un professionnel peut toujours aider les personnes comme lui. Il a vu l'infirmière du collège, mais elle ne peut pas l'aider car il ne veut pas l'écouter. Donc, peut-être qu'un professionnel pourrait faire mieux. Je ne sais pas quoi faire car j'ai déjà beaucoup essayé.